collaborer au deuxième ballon. Ce sont les joueurs. Est noyé carrément. De Boaké avec ce jeune. Il peut frapper. C'est totalement. Voici Cédric. La part de Blijnion. Tous les ballons passent par lui. Regardez maintenant. Allez, Marco. Il peut frapper. C'est au-dessus. La tête. Et tout ça, c'est venu avec l'apport offensif. Eh bien, de Jean Seri. Chaque après-midi aux Ébiers. De Blijnion, vous voyez. Marco Cédric Kouassi. Pas mal essayé. Il a reçu beaucoup de coups de football de la part d'un ancien de la SEC Mimosa. C'est Patrick Dadier ici même. Qui le comparait déjà à deux grands noms du football ivoirien. Regardez, on joue bien du côté de Boaké avec cet homme qui va provoquer le cap de terrain. Ouais, ouais. Il y a de la volonté, l'envie d'aller chercher l'égalisation. Premier ballon de Cédric Marco Kouassi. Allez, c'est un enfant de Yopougon. Mais vous voulez que... Il faut que Boaké mette un peu de folie au niveau offensif. Allez, Kouassi, la faute sur Boaké. C'est le 4 minutes de temps additionnel. Vous avez le compas dans l'œil. Attention à cette fin de rencontre. Et on a connu 5 minutes folles. Ah, c'était ballon. Il faut récupérer du côté de Boaké pour organiser. Offensif. Quand Boaké arrive, on ne sait quoi faire du ballon. Voici le problème de Boaké. Allez, Marco repasse par son gardien. Bon travail des sables de Bado. Kouassi Marco. Kouassi prend l'intérieur. Allez. Il a trouvé Blijnion. Il a vu. Et c'est le jeune Bli qui va écarter le jeu vers Kouassi Marco. Qui est la surface. Non, il a vu Bli. Il n'y a pas de position. Avec Kouassi Blijnion.